Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et de pouvoir dire quelques mots d'introduction. Je tiens d'abord à remercier les Premières Nations qui ont fréquenté et occupé ce territoire pendant des millénaires pour leur accueil sur leur territoire traditionnel et de traité. As we welcome His Holiness this week, it's important to reflect on the significance of this moment for survivors, for Indigenous peoples, and indeed, for all Canadians. Hier, le 26 juillet, c'était la fête de Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est une figure importante pour les catholiques. Elle représente l'amour maternel. Elle représente aussi la famille. La famille, c'est nos racines. C'est ce qui nous aide à grandir et à découvrir le monde. Et la famille, c'est la première chose qui a été enlevée aux enfants qui ont été envoyés dans les pensionnats autochtones. Quand j'ai visité Tkamloops, Cowessess et Williams Lake, quand je parle avec les survivants et avec les familles, je pense aux enfants et je pense aussi aux parents. As a dad, I can't imagine my kids being taken away. When my kids are crying, I can console them. When they're happy, I can share that feeling of joy with them, of accomplishment. But in residential schools, these children were alone and isolated in their pain and sorrow, far from their families and communities, and even worse, stripped of their language, their culture, their identity. Une solitude profonde. Une perte non seulement de famille et de communauté, mais de leur langue, leur culture et leur identité. Depuis la publication en 2015 du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, les Premières Nations, les Inuits et les Métis demandent au pape de présenter des excuses aux survivants, à leurs familles et aux communautés. Des excuses pour le rôle que l'Église catholique romaine comme institution a joué dans les mauvais traitements sur les plans spirituels, culturels, émotionnels, physiques et sexuels que les enfants autochtones ont subi dans les pensionnats dirigés par l'Église. L'événement de cette semaine à Musquatchis n'aurait pas été possible sans le courage et la persévérance des survivants qui ont partagé leurs souvenirs douloureux et raconté leurs expériences, incluant directement au Saint-Père lui-même. Your Holiness, in our previous conversations, from the first time we spoke about this, you always offered your time, genuinely seeking to understand, to do right, and to atone. This week, you recognized the abuses experienced at residential schools that resulted in cultural destruction, loss of life, and ongoing traumas lived by Indigenous peoples in every region of the country. As Your Holiness has said, begging pardon is not the end of the matter. It is a starting point, a first step. On Monday morning, I was sitting with survivors, and I felt their reaction to your apology. Each will take from it what they need, but there's no doubt that you had an enormous impact. Survivors and their descendants need to be at the center of everything we do going forward. In April, Dene National Chief Gerald Antoine was at the Vatican, and he compared the moment to the experience of walking through the snow and seeing fresh moose tracks. It was a feeling of hope. Today, I want to say, let's all continue our work together to keep this hope alive. Quand je suis allé au Vatican il y a 5 ans maintenant, j'y étais pour aborder le sujet des pensionnats et de la réconciliation avec votre sainteté. Et je sais que votre présence ici cette semaine n'aurait pas été possible
sans vos convictions personnelles et votre intégrité, merci d'être venu avec le cœur ouvert. On reconnaît tous que le système des pensionnats a tenté d'assimiler les enfants autochtones. Aujourd'hui, les peuples autochtones continuent de se battre pour défendre et préserver leur culture et leur langue. Le rassemblement traditionnel qui a eu lieu à Maskwacis en est un très bon exemple. La réconciliation, c'est notre responsabilité à nous tous. C'est notre responsabilité de voir nos différences non pas comme un obstacle, mais comme une occasion d'apprendre, de mieux nous comprendre et de passer à l'action. Our Governor General talks often about how reconciliation is not a single act, but a lifetime journey of healing. This journey is different for everyone. I spoke about Saint Anne being a symbol of maternal love and family, but Saint Anne is also a symbol of healing. Tomorrow, Your Holiness will visit Saint Anne de Beaupré. Pilgrims have been traveling there for centuries to pray and to ask Saint Anne to help them heal. So in the spirit of healing, let us never give up. Canadians, institutions, let us continue our work together with Indigenous peoples until we reach a better future for everyone. Merci. Thank you. Gracias.